Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté, et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à ton saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à ton saint nom. Bien
j'ai brisé ton cœur bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les couleurs, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh oh, tu rêvais du jour. Chaque jour je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre
ton amour et ta justice, je ne suivrai nul autre voie. Je me confie ma vie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Sur ton amour et ta justice, je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Chaque jour dans ta grâce.
jour je te verrai face à face. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désintègre. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désintègre. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désintègre. Frères et sœurs, bonjour les amis, que le Seigneur vous bénisse encore ce matin, que sa grâce soit sur vous. C'est encore une joie pour moi d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Voilà, ce matin j'aimerais partager une pensée avec vous au sujet de la prière, mais de manière un peu très pratique. On va essayer de voir un peu les choses, aborder les choses d'une manière très simple, et surtout le but c'est de pouvoir résoudre un petit peu parfois quelques difficultés qu'on peut rencontrer les uns les autres par rapport à la prière, et pouvoir lever des fois certains obstacles. Voilà. Pour commencer, j'aimerais déjà poser une pensée dans vos cœurs. C'est Paul qui nous en parle dans son épître aux Romains, chapitre 8, le verset 32. Voici ce que l'apôtre Paul dit. « Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas ne lui donnerait-il pas aussi tout avec lui ?» Donc, l'apôtre Paul est en train de mettre en évidence quelque chose. Il dit, si Dieu n'a pas hésité un seul instant à donner ce qu'il avait de plus précieux, à savoir son fils unique, l'objet de son amour, son fils bien-aimé, Dieu n'a pas hésité à le livrer pour notre justice, pour notre salut. Il nous dit, alors que maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes justifiés, comment est-ce que Dieu se refuserait de nous donner toute autre chose avec Christ? Il dit c'est impossible, parce qu'il a fait le plus grand. Il a fait ce qui coûtait le plus. Alors pour le reste, Dieu est disposé à nous donner toute chose avec Christ. Ça c'est une pensée qu'on doit avoir, qu'on doit bien saisir dans notre cœur par rapport à la grâce et à l'amour de notre Père, de notre Dieu, de notre Père. Dieu est celui qui donne. Dieu est celui qui prend soin. Dieu est bon. Dieu est bon. Et
sa grâce envers chacun d'entre nous est infinie. Donc il faut que ce matin, chacun se sente à l'aise par rapport à l'exaucement de nos prières. Il faut être à l'aise avec ça, parce que certains, à cause de l'image qu'ils ont de Dieu, ont du mal à croire, ont du mal à accepter que Dieu puisse leur donner réellement ce dont ils ont besoin. Que Dieu puisse, de manière généreuse, pourvoir à leurs besoins. Il y a des pensées qui sont pour nous comme des blocages. Alors beaucoup ont du mal, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à avoir une vie de prière régulière parce que leur pensée n'est pas orientée sur la révélation de la parole de Dieu. Alors pour nous aider, le Seigneur Jésus, un jour en discutant avec ses disciples, va leur raconter une parabole. Cette parabole, on la retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Je vais vous la lire très rapidement, Luc chapitre 18, le verset 1, verset 8. La Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas me rompre la tête sans cesse. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et qui tardera-t-il à leur égard ?» Jésus leur dit, « Il leur fera promptement justice. » Et il va finir sa parabole avec une note de, comme un reproche ou un petit regret. Il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, donc en parlant de lui, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il est clair qu'il faut prier, nous devons prier. Nous devons être des hommes et des femmes qui prient. Dieu, David décrit Dieu en disant, « Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, Dieu aime entendre nos prières. Dieu a envie d'entendre nos prières. » Et le Seigneur Jésus, avec cette parabole, l'illustre, cette femme qui revenait sans cesse pour obtenir justice. Et Dieu, parfois, c'est ce qu'il attend de nous. S'il y a certaines réponses, certains exaucements qui tardent, Dieu voudrait que chacun, les uns les autres, nous ayons un petit peu cette attitude-là, de revenir à la charge. Non pas par incrédulité pour dire, voilà, Dieu ne m'a pas exaucé, non. Mais simplement quand j'ai prié pour quelque chose, tant que je n'ai pas vu la chose se manifester, je reviens au Seigneur en lui disant, ben voilà, tu es mon Dieu, je sais que tu es celui qui m'exauce. Seigneur, ne tarde pas à mon égard, parce que j'ai réellement besoin, tu vois ce qui se passe, j'ai vraiment besoin que tu agisses pour moi aujourd'hui. Donc Dieu veut aussi parfois que nous ayons cette attitude-là. Mais la parabole va beaucoup plus loin. Elle va, parce que avec cette parabole, le Seigneur Jésus est en train de décrire un petit peu l'attitude de cœur du Père. En disant que même si le Seigneur, notre Dieu, même si le Père a parfois envie de nous voir revenir comme ça, un petit peu comme à la charge, mais il faut comprendre que Dieu exauce ceux qui viennent à lui. C'est ça la pensée du Seigneur. Et quand il dit que, est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? La foi, c'est en relation avec ce qu'on croit. Donc, et il pose la question de savoir, mais est-ce qu'il y aura encore des chrétiens qui croient en ce Dieu-là, qui fait justice promptement, qui répond promptement, qui exauce promptement les prières? J'ai bien peur que ces paroles commencent à trouver leur écho dans l'Église aujourd'hui. Vous savez, avec ce qui s'est passé, c'est triste à dire, parfois dans les échanges, dans les discussions les uns avec les autres, on a plutôt tendance à présenter un Dieu qui est, en tout cas au jour d'aujourd'hui, est devenu très méchant, très en colère. Un Dieu qui a envie de tuer tous les hommes parce que... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jésus aime aujourd'hui. Le Père aime aujourd'hui. Il attend, il a toujours ses bras qui sont ouverts. Jésus fait grâce aujourd'hui. Jésus veut se révéler aujourd'hui. L'évangile, c'est Jésus, mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité, glorifié.
C'est ça qui sauve. Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions. C'est cet évangile, la bonne nouvelle que Dieu attend que chacun de ses enfants puisse partager. Donc, et l'image qu'on a de Dieu aujourd'hui, la vision qu'on se donne de Dieu, je crains malheureusement qu'on s'est fait un Dieu méchant. Et à cause de cela, beaucoup, à cause de la culpabilité, à cause du ressenti des uns des autres, alors beaucoup ont du mal à prier. Beaucoup sont gênés par la prière parce qu'ils ne se sentent pas dignes. Ils se sentent totalement à côté de la plaque. Et donc ce matin, j'aimerais simplement avec vous essayer de balayer certaines pensées, essayer de balayer certains blocages que parfois on entend un peu à gauche, à droite, en discutant avec les chrétiens, en discutant avec les enfants de Dieu, nouveaux convertis ou pas, hein, que ce soit ceux qui sont sur le processus de la conversion, ou des chrétiens beaucoup plus anciens qui ont des années d'ancienneté dans leur conversion, mais on retrouve les mêmes pensées qui reviennent. Alors ce matin, j'ai pris quelques pensées et j'aimerais voir ça avec vous rapidement pour essayer de les balayer et pour permettre à chacun de pouvoir vraiment avoir une vie de prière fructueuse. La première pensée, c'est ce que j'entends souvent, c'est « moi je ne sais pas prier comme les autres ». Je ne prie pas beaucoup parce que je ne sais pas prier comme les autres. Mes prières sont tellement pauvres en mots, je ne sais pas formuler les belles phrases, je ne prie pas longtemps. Je ne sais pas parler et tout cela. Et regardez un petit peu ce que le Seigneur Jésus dit par rapport à ces belles prières que parfois nous aimons, parfois qui nous impressionnent. Regardez un petit peu ce que le Seigneur Jésus dit. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 7, il dit « Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. » Frères et sœurs, on n'a pas besoin d'amadouer Dieu. On n'a pas besoin d'amadouer Dieu. Le flot, le débit de nos paroles, l'intensité de notre voix ne change absolument rien vis-à-vis de Dieu. Vous avez certains qui pensent que la liberté de l'esprit, c'est il faut crier fort. Non, il peut arriver que dans un moment de une expression, voilà, on va laisser exprimer des sentiments, on va laisser exprimer des émotions. Il peut arriver que quelqu'un crie, que quelqu'un élève la voix et tout ça. C'est normal, c'est sain, ça fait partie de la vie de l'Église. Mais ça ne veut pas dire que quand on prie à chaque fois, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, ce n'est pas ça. Prier, ça ne veut pas dire réciter, faire un poème. Et tout ce qu'on veut, non, ça n'a rien à voir. Moi-même, j'ai été impressionné quand je suis revenu au Seigneur il y a plusieurs années, quand j'ai recommencé à fréquenter l'église. Je me souviens encore aujourd'hui d'avoir été très impressionné par les prières, en particulier d'un frère et d'une sœur à l'époque. Ils avaient des mots, il y avait un choix de mots, c'était vraiment très beau. Sincèrement, j'étais impressionné par ça et je me disais, waouh, moi je ne pourrais pas prier comme ça. Et surtout, vous savez, pendant le culte, il y a ce moment libre où chacun peut élever la voix, mais je n'osais pas le faire parce que je dis, non, moi je ne peux pas prier comme ça. Et puis les semaines, les mois ont passé, j'ai commencé à prendre un peu plus d'assurance dans le Seigneur. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au final, ces belles prières qui m'impressionnaient au début, elles revenaient sans cesse. En fait, c'était pratiquement toujours la même prière. Et là, je me suis dit, y a peut-être un problème. Parce que le frère et la sœur répétaient toujours les mêmes mots, les mêmes choses. J'en étais arrivé presque à pouvoir réciter cette prière-là par cœur. Parce que j'avais pris l'habitude de l'entendre encore et encore et encore et encore. Et c'est là où le Seigneur aussi veut nous enseigner. À être spontané dans la prière, à être vrai, à actualiser les choses. Je ne peux pas toujours rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a sauvé il y a 15 ans. Je ne veux pas à chaque action de grâce revenir à cela. Oui, je peux le mentionner, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, par exemple, toi qui peux m'écouter ce matin, est-ce que tu as rendu grâce parce que tu respires ce matin? Plusieurs n'ont pas pu voir le soleil ce matin. Où est-ce que tu en es avec ça?
Tu as pu prendre ton petit déjeuner ce matin, pour ceux qui l'ont pris. Est-ce que tu as réellement rendu grâce à Dieu pour ce pain que tu as pu prendre, ou la brioche, ou ton un croissant, ou tout ce que tu veux? Plusieurs n'en ont pas eu l'occasion. Ben, rends grâce à Dieu pour ça. C'est si simple parfois de prier, de rendre grâce à Dieu. C'est si simple. Ne soyons pas réduits de faire de longues prières, de prier, d'être à l'aise avec ça. C'est une très bonne chose et j'encourage ceux qui le font à pouvoir le faire et continuer et toujours à alimenter cela. Mais je veux encourager aussi ceux qui n'arrivent pas à prier ce matin, ceux qui se sentent comme diminués par rapport aux autres, ceux qui s'approchent du Seigneur aujourd'hui, ceux qui se disent ben, « moi ça fait pas longtemps que je suis baptisé, je peux pas prier comme ça ». Non, moi je veux vous encourager ce matin. Vous pouvez prier parce que vous parlez. Vous pouvez prier parce que vous arrivez à vous exprimer. Vous pouvez prier parce que vous pleurez. Parfois, il suffit de pleurer simplement devant Dieu. Et Dieu entend. Dieu sait entendre les larmes. Vous pouvez prier. Moi, je vous encourage à prier. Je vous encourage. Un merci Seigneur pour ta grâce au milieu des chrétiens. C'est quelque chose qui peut manifester une grande puissance, une grande consolation dans le cœur d'un frère ou d'une sœur. Simplement ça. Et même chez vous, quand vous êtes seul, vous pouvez prier, simplement. Soyez simple. La prière est quelque chose de simple. La prière, c'est l'expression d'un cœur, d'une relation avec Dieu. Ne vous compliquez pas la vie. Ne vous compliquez pas la vie. Jésus a dit, ne redites pas des vaines paroles. Ne soyez pas de cela. Soyez simple. Priez simplement. La deuxième pensée souvent qu'on peut entendre, c'est, si Dieu sait tout, c'est-à-dire qu'il est parfaitement au courant de ma situation, pourquoi je dois prier? Pourquoi est-ce que je dois dire à Dieu des choses qu'il sait déjà? Pourquoi est-ce que je dois l'embêter avec ça? Et de toute façon, il va arriver ce qui va arriver. Il est déjà au courant de l'histoire. Pourquoi je dois le faire? Là aussi, j'aimerais vous voir avec vous la réponse du Seigneur Jésus. Toujours dans Matthieu chapitre 6, c'est dans la suite de ce qu'on a pris tout à l'heure, du verset 8 au verset 9. Voici le Seigneur Jésus dit, donc ne les imitez pas, donc en parlant de ceux qui avaient les veines redites et tout ça, ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il continue. Votre Père sait que il sait ce dont vous avez besoin. Alors il continue par dire, priez donc ainsi. Voici donc comment vous devez prier. Il dit, puisque votre Père sait que vous avez besoin de ces choses, voici donc, par conséquent, comment vous devez prier. Il n'a pas dit, puisqu'il sait, ne priez pas. Il a dit, puisqu'il sait, voici donc comment vous devez prier. Donc Dieu me dit que je dois prier, même s'il sait tout ce dont j'ai besoin. Voici donc comment vous devez prier. L'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 4, le verset 2, il nous dit, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne dépendez pas à Dieu. Voilà parfois le problème de beaucoup de chrétiens. Ils sont dans l'amertume, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas ce dont ils ont besoin. Parce qu'ils n'arrivent pas à saisir ce dont ils ont besoin. Mais Dieu dit, c'est normal, parce que vous ne demandez pas. Demandez et l'on vous donnera. Il dit, demande, demande et tu l'auras. C'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma sœur. Demande ce matin. Demande à Dieu ce matin ce que tu attends de lui. Demande-lui, il est là. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Oui, Dieu sait que tu as tel besoin. Dieu sait que tu souffres de telle chose. Il le sait, il est parfaitement au courant. Mais il dit, mais voilà donc comment tu dois me prier. Tu dois reconnaître que Dieu est la source de tout. Que ton nom soit sanctifié. Que tu sois reconnu pour Dieu. Dans tout ce que je vis, dans mes besoins, que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Et puis...
tu demandes ce dont tu as besoin de demander. Et puis, il y a des situations parfois. Certains m'ont dit, oui, mais Dieu le sait, tout ça, mais pourquoi il ne se passe rien? Pourtant, j'ai déjà prié, mais il n'y a rien qui change. Il y a la maladie qui s'est installée, il y a des situations difficiles qui s'enchaînent, il n'y a pas de changement profond dans ma vie, dans mon entourage. Est-ce que je ne me fais pas d'illusions par rapport à tout ça? Et Dieu comprend tout ça, le Seigneur comprend, notre Père comprend ces choses. Il comprend ces choses, il le sait, et il nous répond. Il nous répond dans Habacuc chapitre 2, verset 3. Il nous répond dans ce verset, et il est dit, « Si l'Éternel paraît tarder, si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement. » Dans d'autres versions, vous avez, « Si la promesse tarde à venir, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. » Donc, Dieu dit que, oui, c'est vrai que parfois, il te semble que je suis en retard. Parfois, il te semble que je ne t'ai pas entendu. Il te semble que je ne t'exauce pas. Mais si c'est le cas, ben écoute, attends-moi patiemment. Parce que je viendrai sûrement. Quand on lit la suite de ce verset, en tout cas au chapitre 4, il a dit, parce que le juste vivra par la foi. Parce que c'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. C'est la foi. Donc Dieu dit, écoute, s'il te semble, mon frère, ma soeur, s'il te semble aujourd'hui, ce matin, que Dieu n'entend pas ta prière ou que Dieu ne réagit pas à ta situation, le Seigneur te dit une chose ce matin, attends-le patiemment. Il vient. Sois rassuré ce matin. Relève ta tête. Relève ta tête ce matin. Relève ta tête ce matin. Parce que si, à un moment ou à un autre, tu t'es cru abandonné de Dieu dans ce que tu vis, à un moment ou à un autre, tu t'es cru comme laissé pour compte par Dieu, comme si Dieu ne s'occupait que des autres, Dieu dit, attends-moi, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Et je viens sûrement à ta rencontre. Je viens à toi. Je viens dans ta situation. Y a-t-il quelque chose que tu veux voir changer dans ta vie ce matin? Alors Dieu te dit, demande-moi, et si tu sens qu'il n'y a rien qui se passe, écoute, attends-moi, je viens à toi. Ce matin, le Père vient à toi, mon frère, ma soeur. Il est là, le Père bien-aimé, le Père d'amour. Alors enlève ces pensées de ton cœur. Enlève les pensées où tu te sens comme mis à part, mis à l'écart. Comme le laisser pour compte. Non! Cet enfant qui ne change pas, cet enfant qui ne guérit pas, cet enfant qui est dans la tourmente, cette situation qui ne change pas, ces difficultés qui ne se terminent pas. Dieu vient à toi. Dieu vient à toi. C'est pourquoi Jésus demande, quand je viendrai, trouverai-je la foi? Qui est encore capable aujourd'hui de croire en ce Dieu-là qui vient à notre rencontre? Qui veut croire ce matin en ce Dieu qui nous donne lorsque nous lui demandons? Qui veut croire ce matin en ce Dieu qui est capable de lire simplement dans les larmes, pas seulement dans des grandes prières? C'est notre Dieu qui est là. C'est celui qui est à tes côtés aujourd'hui. C'est celui qui est assis à tes côtés ce matin. C'est celui qui est avec toi lorsque je suis en train de te parler ce matin. C'est celui qui est en train de témoigner, qui est en train d'affirmer dans ton cœur que c'est la vérité, c'est ma parole. C'est celui qui est en train de te dire à l'oreille ce matin, relève la tête, j'ai entendu ta prière. C'est celui qui est en train de dire, j'ai vu tes larmes. C'est celui qui est en train de te dire, il y a un temps que j'ai fixé pour te restaurer. Il y a un temps que j'ai fixé où tes larmes vont se changer en joie. Il y a un temps que j'ai fixé pour que toi aussi tu aies un témoignage à raconter. Il y a un temps que j'ai fixé pour que cet enfant soit parfaitement guéri. Il y a un temps que j'ai fixé pour que cet enfant soit converti. Il y a un temps que moi, Dieu, j'ai fixé. Mais si il te semble que je suis en retard, attends-moi, je viens. Je viens à toi ce matin. Je viens à toi ce matin. Alors, prions. Cultive la prière dans ta vie, mon frère, ma soeur. Cultive la prière. Il y a encore d'autres pensées. On va essayer d'aller encore un peu plus loin.
Il y a des pensées, par exemple, il y a certains chrétiens qui vont dire « Pourquoi déranger Dieu avec mes problèmes personnels ? Il y a tellement de problèmes dans le monde. Dieu a tellement de choses dont il doit s'occuper. Il y a tellement des situations beaucoup plus graves, plus complexes que ce que je vis. Alors, pourquoi importuner Dieu avec mes problèmes personnels ? Il y a d'autres qui vont dire, par exemple, que « Écoute, de toute façon, chacun doit porter sa croix. Il faut accepter certaines situations. Ta santé ne dépend pas forcément de Dieu. C'est la loterie de la génétique, quelque part. C'est l'ADN, c'est comme ça, c'est un héritage familial. Dans ta famille, ils ont souffert de ceci, donc toi aussi, tu souffres de cela. Écoute, l'essentiel, c'est que tu es déjà sauvé, donc le reste, faut relativiser. Oui, mais si tu pries pour que Dieu agisse dans ta vie au niveau matériel, financier, ça, c'est l'évangile de prospérité. C'est égoïste et j'en passe. Et j'en passe. Non, il ne faut pas demander à Dieu pour toi. Ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des choses plus importantes. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui a prié pour lui. Un homme a crié à Dieu. Cet homme s'appelait Yabeth. La Bible dit, c'est dans le livre des Chroniques, au chapitre 4, du verset 9 au verset 10. Chroniques, chapitre 4, verset 9 au verset 10. Yabeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yabeth en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. » Yabeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Voici un homme qui n'a pas hésité. Un homme qui s'est rendu compte que sa prospérité, l'avancement dans sa vie, les progrès qu'il peut faire dans la vie ne dépendent pas de ce qui est à l'extérieur, mais dépendent de Dieu. Alors il est allé vers Dieu, qui est l'auteur de toutes choses, en lui disant, étends mes limites. Étends mes limites, fais-moi prospérer. Fais-moi prospérer, Seigneur. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui a besoin de faire cette prière. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui a besoin de dire à Dieu, fais-moi grandir. Quelqu'un a besoin de dire à Dieu, change ma situation. Seigneur, je veux un meilleur travail, je veux gagner plus pour m'en sortir mieux. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Seigneur, j'ai besoin d'habiter une plus grande maison. Parce que c'est toi qui es la source de tout cela. Peut-être que quelqu'un a besoin de revenir à ça et d'arrêter de tout spiritualiser. Peut-être que quelqu'un a besoin de revenir aussi parfois à des choses concrètes. Oui, Seigneur, j'ai besoin d'argent parce que voilà la situation dans laquelle je suis. J'ai besoin de ceci et de cela. Quelqu'un a besoin de faire cette prière. Seigneur, étends mes limites. Étends mes capacités. Vous savez, le Saint-Esprit a trouvé bon de noter cette prière dans sa parole afin de nous servir d'exemple. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Le Seigneur s'occupe de tout ce dont il a à s'occuper, dans le ciel, sur la terre, mais il s'occupe aussi de chacun d'entre nous personnellement. Il s'occupe aussi de chacun d'entre nous personnellement, frères et sœurs. Dieu est tout autant intéressé lorsque tu vas lire ta Bible, que la manière dont tu vas dormir le soir, l'état de cœur, les moyens dont tu disposes pour accomplir les tâches que tu as à faire. Dieu s'occupe de tout cela. Notre Dieu s'occupe de tout cela. Notre Père prend plaisir à s'occuper de tout cela.
Il prend plaisir à s'occuper de tout cela. Ne nous laissons pas distraire par les pensées des autres. Ne nous laissons pas distraire par l'expérience des autres. Chacun vit sa vie devant le Seigneur. Les besoins que tu as personnellement aujourd'hui, je parle des besoins matériels, je parle des besoins financiers. Notre Père Céleste est celui qui s'en occupe et il veut que tu aies tout ce dont tu as besoin. Alors demande-lui. Demande à Dieu ce matin. Parle de ta situation au Seigneur ce matin. Dis-lui ce que tu veux ce matin. Et le Père Céleste va s'occuper de toi. Le Père Céleste va s'en occuper pour toi ce matin. Balayons ces choses qui nous empêchent. Balayons ces fausses pensées. Balayons toute fausse humilité. J'appelle ça parfois de la fausse humilité. Ceux qui veulent se cacher tout le temps sous une forme de spiritualité. J'appelle ça de la fausse humilité. Soyons vrais devant Dieu. Quand quelque chose me fait mal, quand quelque chose me pèse, je l'apporte au Seigneur. Quel que soit le domaine de ma vie, quel que soit l'aspect que ça prend, matériel ou financier ou spirituel, mais j'apporte tout au Seigneur parce qu'il est la source de tout dans ma vie. Et je vais conclure par une dernière pensée et qui fait très souvent aussi obstacle aux chrétiens dans la vie de prière. C'est celle de se dire, je ne suis pas digne de demander à Dieu. Je ne suis pas digne, je ne suis qu'un pécheur, je ne suis pas assez pur, je ne mérite pas, je ne suis pas assez obéissant à Dieu, je ne lis pas beaucoup la Bible, frères et sœurs, toutes ces pensées ne viennent pas de Dieu. Regardons quel est le cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu? Quel est le cœur de Dieu? Et après, on va s'arrêter là, on va prier très rapidement à la fin. Regardons ce que Dieu dit. Dans Jacques chapitre 1, le verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5, il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, à la place de sagesse, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Si quelqu'un manque de quelque chose, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je vais m'arrêter sur les termes qui sont employés. Dieu qui donne, c'est le présent, en grec c'est le présent continu. Ça veut dire c'est une action qui se fait dans le temps, qui se fait continuellement. Le présent continu, c'est que Dieu donne continuellement. Il ne cesse de donner. Dieu donne continuellement, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas épuiser les provisions de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu m'a donné hier qu'il ne veut pas me donner aujourd'hui. Sans cesse, Dieu donne. Sans cesse, chaque matin, ses bontés se renouvellent. Dieu me donne continuellement. La Bible dit, donc si quelqu'un a besoin de quelque chose, tu dois savoir une chose, c'est que déjà, Dieu donne continuellement. Il ne cesse de donner. Il ne cesse de donner. Donc ne crains pas de l'offenser, ne crains pas de le gêner, ne crains pas qu'il soit en manque, parce que hier il t'a donné, aujourd'hui il ne te donnera pas. Non, Dieu donne continuellement, il donne, c'est au présent, c'est maintenant il donne. Dieu donne maintenant. Ensuite il nous dit simplement, ou librement, généreusement, avec bienveillance, en fonction des versions que vous avez. Dieu donne librement ou simplement. Ça veut dire qu'il donne sans que cela soit mérité. Il le fait librement. Dieu donne librement, frère.
Dieu donne sans que tu le mérites. Si l'exaucement de Dieu devait dépendre de notre obéissance ou de ce que nous sommes capables de faire, nous ne sommes plus dans la liberté. Dieu devient notre obligé. Ça veut dire qu'il est obligé de nous donner. Qu'il soit d'accord ou pas, qu'il soit content ou pas, il est notre obligé. Parce que je fais telle chose, parce que j'ai obéi, alors tu dois me donner. On n'est plus dans le librement, on n'est plus dans la simplicité. Or, Dieu donne librement, frères et sœurs. Ça veut dire que avant même que tu ne sois devenu obéissant, Dieu donne. Dieu a donné Jésus alors que nous étions ses ennemis. Dieu a donné son Fils unique alors que personne ne priait. Personne n'a rien fait. Il l'a fait librement, frères et sœurs. Librement. Regardons Jésus. Ceux qui sont arrivés, se sont approchés de Jésus, tous ceux qui se sont approchés de Jésus, Jésus les a guéris comment ? Librement. Il l'a fait simplement. Il n'a pas attendu que ce soit des hommes et des femmes qui soient sauvés. C'est comme toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur. C'est comme moi aujourd'hui. Jésus n'attend pas. Jésus n'attend pas que je devienne le chrétien le plus obéissant de la terre pour commencer à me donner ce dont j'ai besoin. Jésus n'attend pas que tu sois le frère ou la sœur de l'église de Chaumontel ou d'ailleurs. Jésus n'attend pas que tu sois le meilleur chrétien de la France ou de partout ailleurs pour commencer à te donner. Il donne librement. Il dit, Dieu donne librement. Dieu est libre. Il est libre de donner ou de ne pas donner. Mais il a choisi de donner. Dieu donne ce matin. J'aimerais, frères et sœurs, j'aimerais que tu le dises. Tu le dis, si tu connais un frère, tu connais une sœur qui aujourd'hui a du mal à revenir à Dieu, qui se sent indigne de Dieu, qui se dit, oui, j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté de prier parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des mauvais choix. Dieu dit, reviens, 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 je veux te donner, je veux te donner. Ce matin, mon frère, Dieu veut te donner, toi qui m'entends, Dieu veut te donner. Dieu n'attend pas que tu sois le plus obéissant, que tu sois seul ou celui qui va lire la Bible pendant des heures et des heures, qui va prier, qui va jeûner tous les jours de la semaine. Non, Dieu donne librement. Aujourd'hui, il est libre. Il a choisi de te donner librement. Imprime-le dans ton cœur. Dieu a décidé de te donner librement ce que tu lui demandes. Ce que tu lui demandes. Et il continue, sans reproche. Oh, les plus religieux d'entre nous, ça y est, je viens de les perdre. Sans reproche. Oui, Dieu ne fait pas de reproche, frères et sœurs. Dieu ne fait pas de reproche. Dieu ne fait pas de reproche. Dieu ne regarde pas à ce que tu viens de faire, à ce que tu viens de commettre. Dieu ne regarde. Pourquoi Dieu ne fait pas de reproche? Pourquoi Dieu ne fait pas? Parce que tous tes péchés, il les a placés en Christ. Dieu a mis tous tes péchés sur Jésus. Dieu a mis tous tes péchés sur Jésus. Jésus est mort avec tes péchés. Et Dieu a pris toute la justice de Jésus et il l'a mis sur toi. Quand Dieu te regarde, il dit, tu es la justice de Dieu devant moi. En Jésus-Christ. Donc Dieu ne te fait pas de reproches, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi viens ce matin. Reviens ce matin. Peut-être que tu t'étais fait un programme de prière, un programme de lecture de la Bible, mais tu n'es pas arrivé à le lire. Tu n'es pas arrivé à le tenir. Alors il y a une culpabilité. Dieu dit, sors de cette culpabilité. Moi, je ne te reproche rien. Viens à moi. Viens parler avec moi. Ce matin, je t'attends. Oui, tu étais chrétien. Ça fait longtemps. Tu ne vas plus à l'église. Tu as arrêté. Parce que tu ne pries plus beaucoup parce que tu te sens indigne, parce qu'il y a ceci, il y a eu tel péché dans ta vie, il y a eu ça. Dieu dit, écoute, arrête avec ça. Je ne te reproche rien. Du moment où tu avais accepté mon Fils comme Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été placés sur lui.
Tu es lavé, le sang de Christ te purifie ce matin. Si simplement tu acceptes de changer ta mentalité, tu acceptes simplement de te repentir, ça veut dire de revenir à toi-même et de revenir à Dieu. Le sang de Jésus te purifie de tout ce que tu as fait. Et tu as encore accès à Dieu ce matin. Dieu donne à tous simplement et sans reproche. À tous simplement et sans reproche ce matin. Cette grâce est pour toi et pour moi ce matin. Ah oui, les plus religieux n'aiment pas ça. Non, parce qu'il faut se sanctifier, il faut ceci, il faut cela. Je ne dis pas que nous devons vivre dans le désordre, non. Je ne dis pas que nous devons aller faire tout ce qu'on veut. Et non, vous savez, même l'apôtre Paul a été accusé de cela. Quand on lit dans les Épîtres, il dit, oui, quelques-uns nous accusent en disant que nous encourageons les gens à vivre dans le péché parce qu'il y a la grâce de Dieu. Il dit, non, comment est-ce qu'on peut vivre dans le péché si nous sommes enfants de Dieu? Quand on a compris la bonté de Dieu, il dit, ne comprends-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc, on n'encourage pas les chrétiens à vivre dans le péché. Je n'encourage pas à vivre dans le péché. Ce que je veux dire simplement que s'il y a eu péché dans ta vie, s'il y a eu un moment dans ta vie où tu es tombé, tu as chuté, s'il y a un moment dans ta vie, tu as pris une décision et tu es meurtri par ça, Dieu dit, je ne te fais pas de reproche. Lève-toi simplement, reviens. Jésus, son sang te lave, te purifie ce matin et je te donne ce que dont tu as besoin, parce que je suis libre, personne ne peut me contraindre à ne pas te donner, parce que tout est à moi et j'ai décidé de te donner, toi qui m'entends aujourd'hui. Voilà le cœur de Dieu. Voilà le cœur de Dieu. Jésus dit, est-ce que je trouverai des chrétiens qui croient encore en ce Dieu-là quand je reviendrai? Est-ce que je trouverai la foi dans le cœur de des chrétiens lorsque je reviendrai, qui croient encore en ce Dieu-là, qui est libre, qui donne? Frère, nous sommes libres. Nous sommes libres devant Dieu. Ne laissons personne nous mettre sous un joug, sous une religion, sous des doctrines humaines. Nous sommes libres et Dieu nous appelle à la liberté en sa présence. C'est pourquoi ne soyons pas découragés lorsque nous avons envie de prier. Prions Dieu, prions sans cesse, allons à Dieu sans cesse. C'est ça l'image que Jésus, le Seigneur Jésus, veut que nous ayons du Père. Il dit un Père, un Dieu généreux, un Père qui ne condamne pas, un Père qui veut que les uns les autres nous serons prospères. Un Père qui nous accepte dans sa présence. Un Père qui entend ma voix personnellement. Un Père qui veut me voir être rempli d'assurance. Moi, dans tout ce que je vis, dans tout ce que... Et c'est lui qui me délivre. C'est un Père qui veut que je sois épanoui. Voilà le Dieu qui nous appelle à la prière. C'est ce Dieu-là qui nous appelle à la prière. C'est ce Père d'amour qui nous appelle à la prière. Alors quand j'ai saisi que Dieu m'est autant favorable, peu importe les manières, peu importe que je ne sache pas parler, peu importe que qu'on pense de moi que je suis orgueilleux ou égoïste parce que je ne veux me préoccuper que de mes besoins, peu importe ce que j'ai pu faire, je vais aller vers lui et lui parler de tout mon cœur. Soyons, prions constamment, que vraiment chacun d'entre nous ce matin, nous puissions nous lever. Je ne vous dis pas qu'il faut commencer à prier pendant des heures et des heures. Je dis simplement, commencez par des actions de grâce. Commence par rendre grâce à Dieu pour tout ce qui se passe dans ta vie, pour les choses que tu vis, pour ce qui se passe. Commence à rendre grâce à Dieu pour des choses simples. Sois simple avec le Seigneur et tu verras comment le Seigneur va commencer à bénir. Tu verras comment Dieu va commencer à te faire grandir et tu verras comment tu vas expérimenter la grâce de Dieu. On va prier simplement, fermons les yeux, on va prier. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ce matin. Je te remercie mon Dieu, mon Père, pour la présence de chacun d'entre nous. Merci pour ce message, merci pour ta parole, Seigneur, qui vient nous encourager.
Alors je te prie pour la foi des chrétiens, je te prie pour la foi de mes bien-aimés, je prie pour ma propre foi, afin que Père, elle puisse vraiment être ancrée sur ta parole, que notre foi soit ancrée sur la réalité de Jésus-Christ, que notre foi soit ancrée sur la réalité de notre Dieu, la réalité de ta personne, pas sur les commandements d'hommes. Alors Père, délivre-nous de tout ce qui peut étouffer notre vie de prière. Délivre-nous ce matin de tout ce qui peut être une fausse, une mauvaise conception de toi. Père, libère nos cœurs de toute entrave, de toute amertume, de toute condamnation ce matin. Dans le nom de Jésus, que la foi dans nos cœurs soit répandue. La Bible dit que tu es l'auteur de notre foi. Seigneur, par ta parole, suscite, génère en nous la foi. Et ce matin, Père, je prie pour que la foi de tous ceux qui m'ont entendu parler, tous ceux qui ont entendu cette prédication, Seigneur, sois fortifié dans leur foi. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Gloire à toi. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Bon dimanche et à très bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chemontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chemontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web églisechaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques, ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore merci du fond du cœur pour votre présence. Et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis !